On peut avoir de la sympathie pour un pays. Et ça, je peux la comprendre. J'en ai d'ailleurs pour la Tunisie. On peut avoir eu des relations avec tel ou tel dirigeant tunisien. Je rappelle que le parti de Bourguiba a été très lié au Parti Socialiste. Mais quand depuis tant d'années, nous sommes devant une dictature, et peut-être même une dictature familiale, avec un entourage autour de Ben Ali qui prépare même la succession de Ben Ali en son sein, et avec un blocage, je dirais aussi un mot de l'Algérie, parce que c'est aussi un souci, et avec un blocage de toute évolution, et puis une répression dure, qui n'est pas de la tradition de ce pays, plutôt un pays pacifique, où il y a toujours des menaces, hein, y compris islamistes. Il faut reconnaître que là, une lutte a été marquée et avec efficacité, mais il n'y a pas d'indulgence. Et ce n'est pas parce qu'on a des liens historiques avec la Tunisie, comme on en a avec l'Algérie, qu'il faudrait garder le silence. Ça serait le plus mauvais service à rendre, non seulement au pays en question, mais aussi aux relations que nous devons avoir justement garde la Méditerranée, entre les deux rives de la Méditerranée. Justement, est-ce que le président français, qui veut une union de la Méditerranée, qui a milité justement pour réunir, ou en tout cas créer un espace économique, est-ce qu'il a, par défaut, pas assez condamné les actions en Tunisie ? Oui, je pense qu'il y a un silence des plus hautes autorités du pays par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Oui. Je ne dis pas qu'il faut être là dans une posture morale, de donner des leçons, d'apparaître comme assénant une autorité venant de l'ancienne puissance colonisatrice, parce qu'il y a aussi ça qui peut créer une gêne. Mais il faut être ferme. On ne peut pas avoir des principes à éclipse. On ne peut pas se dire, moi je suis pour les droits de l'homme, la démocratie par exemple en Côte d'Ivoire. Dit ce qu'il fallait dire très tôt sur Gbagbo. Et puis, lorsqu'il se passe quelque chose en Tunisie, voire en Algérie, gardez le silence.